grand concours de break. Et je regardais les gens danser. J'espérais un jour pouvoir voir une sur scène. Donc je suis très heureux d'être là. Alors, en plus, j'ai ma famille qui est là ce soir. Tous ma famille, je vous aime fort parfois. Alors, je vais vous raconter quelques histoires de certaines chansons. La plupart sont un peu honteuses pour moi, mais je me suis dit que c'était bien de les raconter. Alors la première, c'est l'histoire de cette chanson. Donc, pendant que j'étais à The Voice, j'ai chanté une chanson pour ma mère qui s'appelle Les yeux de la maman. Et dans mon premier album, j'ai écrit une chanson pour ma maman qui s'appelle Je serai là. Et un jour, je me suis retrouvé en voiture avec mon père. Ceux qui rigolent pas, c'est parce que vous ne connaissez pas mon père. Mon père, il fait 1m90, je crois, quelque chose comme ça. Il a une main, il fait la taille de mon visage. Et quand il parle, il parle comme ça, c'est naturel. Et donc, je suis dans sa voiture, et il me dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Je dis, mais tu m'as rien fait, papa, tu vas bien. Ah, je vois, je suis chanté pour ta mère. Dans le premier album, je suis chanté pour ta mère. Moi, rien, on dirait que j'ai même pas existé. Et là, je me suis retrouvé tout con. Je me suis senti un peu indigne, pour être très franc. Et je me suis dit qu'il était grand temps d'écrire une chanson pour mon père. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message aujourd'hui sur Snap. Et Sandrine, je te la dédie. C'est toi. Et voilà, elle s'appelle Papa.